Et salut tout le monde, équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour enfin les euh, French Talk Awards, les ST Awards. En effet, attendez, j'ai le son qui vient juste là, du retour. Normalement, on est bon. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Nous sommes en live. Euh, enfin, un retour sur Twitch. Ça fait très bizarre. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait, il me semble. Ça fait 8 mois qu'on n'a pas fait de live. Euh, mais bon, la rediff sera sur YouTube, bien sûr. Principalement maintenant, euh, c'est sur YouTube. Donc, la rediff sera sur YouTube. Donc, bonjour YouTube. Euh, donc, j'espère que vous allez bien. Fin de saison pour euh, la Betlic et la Pro B. Du coup, qui dit fin de saison dit Awards. La LNB, les NB Awards, je sais pas, ils appellent ça comme ça, sont passés. Mais nous, on fait les nôtres. Euh, et bien sûr, aujourd'hui, je suis accompagné de Yanis. Ça va, Yanis tous. Salut Aurélien, j'espère que, que tout le monde va bien. Merci à ceux qui sont là parce que ça fait un petit bout de temps en effet qu'on n'avait pas fait de live. Ça fait plaisir de revoir ce petit format-là, surtout qu'on a plein de choses. Je peux vous dire qu'Aurélien il a taffé cette semaine sur plein de vidéos, sur plein de trucs, parce que c'est pas que des awards qu'on va vous présenter ou on va parler dessus. Il va y avoir des petits trucs en plus, des petites annonces par-ci par-là. Donc franchement, posez-vous, kiffez. Euh, je vous annonce le live, il va vraiment être kiffant. C'est ça exactement, donc euh, on s'est dit bah, on va le faire en live même s'il n'y a personne, hein. au moins ça nous fait kiffer nous, euh, ça sera sur Youtube après donc il euh, n'y donc a aucun souci là-dessus. Voilà, ça nous fait plaisir d'être euh, d'être en live, franchement, <laughs> moi Yanis, je ne vais pas te cacher, euh, ça me fait plaisir, on va voir s'il y a des gens qui sont avec nous, déjà là on est plus d'une dizaine donc euh, à peine à avoir commencé. Il y a déjà Enzo qui, qui parle sur le chat, salut les gars, bon live à vous, merci beaucoup Enzo, ça fait plaisir. Donc voilà, euh, les gens vont interagir, vont interagir avec nous. Euh, oui. Donc voilà, petit sommaire pour, euh, on va dire, ces FT Awards. On s'est mis sur euh, notre 31 avec Anis parce que bon, on est, on est sur une cérémonie officielle quand même, on est, on est là pour donner des clair. awards. Ah, donc, euh, petite euh, cérémonie, donc le sommaire, on va commencer avec euh, le MVP euh, de cette saison 2021-2022 euh, en Bet league avec également en Pro B. Après ça, on va faire une petite annonce, euh, ou le coach, je ne sais plus, je crois qu'on met d'abord euh, le coach de l'année. Après, petite annonce pour vous, pour YouTube également, d'une prochaine vidéo qui va sortir. On va passer ensuite aux défenseurs de l'année 2021-2022, le sixième homme de l'année, et pour finir, le rookie de l'année avant de passer à d'autres annonces, etc. Plein de surprises, un concours, enfin, euh, de live. Euh... vas-y Attends pire. Aurélien, je te coupe pour le watch time quand même pour les gens qui veulent rester. En fin de live, une petite annonce sur l'équipe de France U17 en cas de victoire contre la Slovénie. Je dis ça, je dis rien. Pour ça. ceux qui veulent re... qui suivent l'équipe de France U17, je dis ça. J'dis rien. Allez. Effectivement, petite annonce en fin en fin de live. Peut-être on va on va suivre un peu si vous le savez. C'est actuellement euh, le euh, les U17 qui jouent. Euh, donc là, c'est actuellement contre qui, euh, Yanis En quart la Slovénie la, la Slovénie c'est ça donc euh, on va on va suivre le résultat tout, tout au long du live et ben bah, écoutez on va commencer d'abord avec euh, si tu veux bien Yanis, euh, les résultats du on va dire du plus grand trophée de ces cérémonies avec euh, le MVP euh, de Betllick il euh, y a Enzo qui nous dit, moi je sais c'est quoi, effectivement, Enzo qui est, très, euh, qui est très bon en la matière. Enzo, il a, il a les insides. C'est ça, exactement. Mais là, on va commencer avec euh, le MVP de cette saison 2021-2022. On avait euh, plusieurs prétendants. Je ne sais pas, ceux qui sont avec nous sur le live, euh, comment s'est passé ces awards, ces votes. Donc euh, j'avais euh, proposé, donc euh, French Talk n'avait pas fait euh, de proposition. C'est directement euh, les gens euh, sur les réseaux, sur Insta et Twitter qui avaient proposé... Euh, des noms et après au fil de ça euh, j'ai pris euh, les trois meilleurs et ces trois meilleurs ont été encore soumis à un vote donc tout a été fait euh, par vous du début à la fin French Talk n'a émis euh, aucun euh, aucun joueur mis en avant comme le fait la LNB par exemple la LNB choisit trois joueurs et c'est aux gens de voter pour ces trois joueurs mais là c'est vous qui avez décidé du début à la fin et donc pour ce MVP 2021-2022 euh, nous avons trois candidats et quand même trois beaux candidats, on peut le dire, avec euh, Brandon euh, Taylor du BCM. On va dire c'est un peu le, le troisième euh, entre ces trois qui est qui fut le MVP euh, du All Star Game. Donc euh, c'est peut-être pour ça qu'il est dedans ou peut-être beaucoup de gens du BCM qui nous suivent. Yanis, euh, franchement voilà. Euh, La communauté euh, de Gravine présente. C'est ça exactement. Après on a Will Cummings le MVP. Euh, en titre, on va, dire, euh, on va toujours faire en lien avec euh, la LNB donc, euh, qui a gagné le MVP cette année euh, en, en LNB. Et après, Brandon Jefferson, bien sûr, comment ne pas parler de sa saison Ça a été quand même beaucoup euh, critiqué euh, dans la saison parce qu'il n'a euh, pas été très très mis en avant. Euh, N'hésitez pas à nous dire, vous, dans les commentaires, euh, ce que vous en pensez à chaque fois, à chaque catégorie. Mais c'est vrai que Brandon Jefferson. Ça a beaucoup fait parler parce qu'il n'a pas été dans les trois derniers euh, Il me semble Yannis hein, euh, interromps-moi si je dis... Une... Je, 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 je vais regarder ça tout à l'heure mais euh, Brandon Jefferson c'est vrai qu'il n'a pas été tellement valorisé par la, la LNB même tout au, au, enfin, tout au long de la saison euh, alors que c'est quand même le meilleur score du championnat. Euh, c'est le joueur qui a porté Paula Cortez pour les sommets, bon même si maintenant ils sont dans une situation un peu plus compliquée. Euh, et franchement il fait une très belle saison, il mérite d'être parmi les trois. Après, on va dire que cette année, il y, y en a trois, certes, qui sont mentionnés euh, de notre côté, mais ça se joue vraiment entre deux joueurs, Will Cummings ou Brandon Jefferson. Mais en tout cas, il a tenu tête et il a eu ce rôle de, de MDP tout au long de la saison, donc euh, je, je valide pleinement. Bah écoutez, euh, on va mettre une petite vidéo pour vous présenter euh, les euh, trois prétendants à ce titre. Et on se retrouve euh, juste après, c'est parti. Donc voilà les euh, trois prétendants pour ce titre euh, de euh, MVP 2021-2022. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, vous, euh, qui est votre MVP 2021-2022. Et euh, j'ai l'honneur. On va, on va faire genre, on, on ouvre une enveloppe, comme dans les cérémonies officielles. Et le MVP euh, 2021-2022, Bethlic Elite et Wilcomings. Bravo. On peut applaudir. Bravo Will Cummings, Donc, euh... à la surprise générale, <laughs> je tiens à dire quand même qu'il n'était pas attendu. Donc euh, Will Cummings qui euh, gagne, euh, c'est euh, le titre, le award de MVP euh, de cette saison 2021-2022 par euh, vos votes. Un petit mot pour euh, ce MVP 2021-2022 euh, bah c'est pleinement logique déjà, merci à tous ceux qui ont, sont, qui ont voté euh, sur tous les réseaux sociaux, mais euh, la communauté a, a eu raison parce que Will Cummings pour moi c'est le trophée du MVP, c'est le joueur qui porte son équipe dans le classement, il est le meilleur joueur des Metropolitans 92 qui ont fait une première partie de saison en tête de la de K Elite et qui se sont battus jusqu'au bout, Ils sont, qui ont résisté contre Lasvel et Monaco, donc c'est pas mal, euh, il est le leader, il est très très bon euh, au scoring, c'est un vrai créateur pour lui et pour les autres, euh, il est bon dans les moments chauds. Euh, c'est lui qui, qui a fait basculer plein de matchs. Euh, donc, honnêtement, il remplit parfaitement ce rôle sur le plan stati statistique, sur son impact dans l'équipe et surtout sur son classement. Parce que c'est ça qu'on cherche aussi un, chez, un, chez un joueur, chez un MVP. C'est un joueur qui fait gagner son équipe. Et Will Cummings, en fait, c'est le parfait exemple cette saison. Ça effectivement va bah, écouter. Euh, ça ne retient rien du tout à la saison de Brandon Taylor ou de Brandon Jefferson. Franchement, qui ont fait euh, euh, tous les deux des euh, une très très bonne saison, même pour Brandon Jefferson, qui pour moi méritait aussi ce titre de MVP 2021-2022. Euh, donc voilà, on va passer euh, tout de suite au deuxième titre de MVP, ça va aller très vite, hein. même la vidéo, donc euh, n'hésitez pas, euh, ça, va, ça va bien passer. Euh, on va passer du coup au titre de MVP 2021-2022. Et pour euh, ce titre de MVP 2021-2022 Pro B, Yanis, tu t'y connais très très bien parce qu'il y, y en a un de chez toi. On va, on va le montrer tout de suite euh, sur euh, l'écran. Et en effet, on a euh, ces trois euh, propositions que vous avez faites pour le MVP. De Pro avec euh, Mathieu Missonnier, Stéphane Gombeau, le MVP officiel, on va dire, euh, de cette Pro 2021-2022, et le petit Thomas Corneli. Euh, Yanis, ça te fait plaisir de le voir C'est clairement, après, c'est mérité, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir toujours un joueur du, de, du club être ici. Mais euh, Thomas Corneli, il a fait quand même une très grosse saison, c'est le meilleur meneur. Euh qui est en probé actuellement, c'est même pas le meilleur meneur français, tu vois, c'est le meilleur meneur qui est en, sur cette terre en probé, il a porté Blois toute la saison, très régulier, pas le meilleur score, hein. il tourne à 11 points de moyenne par-ci par-là, euh, mais c'est un excellent passeur, excellent défenseur, très polyvalent, prend du bon a passé sur les skills offensifs, et il a porté la DA Blois tout au long de ses playoffs, et euh, au final, un VP c'est un joueur qui gagne. <laughs> A permis à Blood d'accéder à, euh, à la c'est ça, ça. ça on verra, exactement. On verra, on verra le résultat, mais bon, euh, on verra qui euh, remporte ce trophée entre les trois. Maintenant, je pense que vous l'avez vu pour la MVP, on va lancer une petite vidéo pour vous présenter ses prétendants au MVP de Pro B. C'est parti, on se retrouve juste après. Voilà, nous avons nos trois euh, prétendants pour ce titre de MVP 2021-2022. D'ailleurs, je fais le salut à Matteo qui est dans le chat, qui nous dit salut, salut Matteo, installe-toi. Pour euh, ces French Talk Awards, tu n'as rien loupé, peut-être juste Will Cummings qui est, euh, qui est devenu euh, MVP euh, des FT Awards. Euh, donc euh, maintenant, nous sommes euh, au MVP 2 Pro B. Entre ces trois, on va faire un petit, un petit jeu. Yanis, lequel tu mets toi, personnellement J'aime beaucoup Thomas Corneli, tout le monde le sait, je, je travaille pour la Diablo Basket, donc forcément il y a un choix de cœur, mais non, Stéphane Combo, clairement, euh, le MVP de cette Pro euh, parce que c'est quand même le joueur qui a piétiné le championnat, qui a dominé tout le monde. Personne n'a réussi à le stopper défensivement, vraiment. Pourtant, on aurait pu croire qu'une équipe de Pro s'adapte à sa dominance, mais personne n'a réussi réellement à le faire. Et il a imposé sa domination durant tout, toute la saison, et il a permis à Nancy de monter, donc. Voilà, franchement, respect à lui parce qu'il a fait vraiment une superbe saison. Après, c'est un championnat qu'il avait déjà dominé sous le maillot de bois justement. Mm -hmm. Et euh, j'ai hâte de voir ce qui va embêter le pour sa première saison. Mais franchement, pour moi, un joueur qui gagne, un joueur qui a piatiné le championnat statistiquement, rien à dire. On va voir sur le petit bout de papier si t'es en lien avec les votes du public. Attention, euh, suspense. Dites-nous dans les commentaires pour vous qui est ce MVP. J'ouvre l'enveloppe, Yanis comme à la télé. Voilà, suspense, suspense, suspense. Et ce MVP 2021-2022 de Pro B des FT Awards et Stéphane Gombo. Félicitations. Félicitations à Stéphane Gombo. Stéphane Gombo qui remporte ce titre. Yanis, un petit mot. En, en, encore un choix très surprenant de la communauté parce que je m'attendais à avoir tout autre. <laughs> Franchement, on peut dire, euh, c'est respecté. C'est les mêmes le même résultat euh, que le... La que des, comment dire, euh, des récompenses de la LNB donc euh, sur ce point là on est raccord après sur les prochains euh, ça va changer ne, ça ne vous inquiétez pas sur Youtube en live les prochains résultats euh, je peux vous le dire rien n'est pareil que la LNB donc c'est pour ça c'est bien aussi d'avoir nos propres euh, awards euh, comme ça, euh, ça ça fait changer un peu et puis même euh, on verra si, si vous êtes d'accord ça hein. permet de voir ça permet de voir parce que ce que les gens votent réellement et ce que ce que quel est le choix des gens et finalement pas le choix forcément de, de ceux qui sont intégrés au vote de, de la LNB. C'est ça, exactement. Et Matteo qui nous dit c'est mérité. Effectivement, en Gombo, hein, on, comme tu l'as dit, nice il, il a piétiné la probée euh, devant partout, dans tous les statistiques. Donc euh, franchement, complètement mérité, même si on a on a rien du tout contre Corneli et contre Missonnier qui ont fait une très très belle saison également. Euh, donc Voilà, on a de, nos deux MVP euh, de euh, des deux championnats de Betlic Elite et de Pro B, on va maintenant euh, passer Yanis, si tu le veux bien, au euh, coach de l'année. Et pour ce coach de l'année, Yanis on a quand même trois belles euh, têtes et je vais les montrer tout de suite ces trois belles têtes. Et on a deux jeux entraîneurs euh, de Betlic et un entraîneur euh, de euh, Pro B. Nous avons Cantillerie de Limoges qui a fait une une énorme saison avec Limoges. On a Julien Maé qui a fait également aussi une énorme saison avec Saint-Quentin et euh, Lucie Tuovi qui a fait, bon, je me répète, mais une énorme saison avec la CIG également. Yannis, tu es, es d'accord avec moi sur ces trois, sur ces trois nommés par, le, par la communauté Et ces trois excellents coachs qui fait une excellente saison tous trois parce que c'est des coachs qui tiennent tête un peu à leur club. Euh, Maé et euh, Tuovi sont là depuis plus, plusieurs années. Quand il arrive un peu nouveau et justement il a su imposer une force une nouvelle force à Limoges. Je rajouterais quand même Vincent Collet dans ce, dans, ce, dans ce qui serait entre guillemets le quatrième membre de, de ce quatuor de coach. C'est clair que c'est une belle tête d'affiche et des coachs qui ont tous trois brillé cette saison et qui ont montré réellement la force de leur groupe qui est alors qu'ils possédaient tu vois, des équipes pas forcément on va dire surdimensionnées en début de saison. C'est ça. Bah écoutez. Uh, Mathéo qui nous dit perso j'adore les ben on verra uh, qui est élu uh, pour CFT Award des coachs de 2021-2022 pour uh, la LNB c'était uh... j'ai un trou tu me l'as dit tout à l'heure mais là j'ai un gros trou c'est Vincent Collet Vincent Collet pardon excuse moi j'ai eu un gros trou uh, dans ma dans ma mémoire c'est Vincent Collet qui a été élu uh, coach de l'année 2021-2022 ça fait énormément uh, débat ce choix. Euh, mais bon, on va euh, vous lancer la petite vidéo pour vous euh, présenter euh, les trois prétendants du code de l'année. C'est parti, on se retrouve après. Donc voilà, nous avons nos trois prétendants euh, sur euh, ces Awards du coach de l'année 2021-2022. Si tu avais ta petite préférence, Yanis, et dans le chat, dites-le nous si vous qui euh, tu partirais. Donc euh, d'après Matteo, ça serait, je pense, quand Max, n'hésite pas à nous dire qui ce serait. Enzo, si tu es encore là, n'hésite pas. Yanis, sur toi, à qui tu donnerais ce trophée de coach de l'année 2021-2022 moi, je suis beaucoup l'approbé, donc il y en a beaucoup qui vont critiquer un petit peu mon choix. Mais euh, forcément, Julien Maé, pour moi, a quand même fait une très belle saison. Parce que Quentin, ils sont partis un petit peu moins confiants. Ils ont fait un début de saison un peu plus compliqué, vers la 10e, 12e place. Euh, Julien Maé, qui avait un effectif totalement changé depuis le départ de Parker Jackson Cartwright, qu'on retrouve à Las de la saison prochaine, et du Gobesson qui vient d'être drafté. Il a eu un effectif totalement chamboulé et tout a, il a su reconstruire euh, sous la pression. Reconstruire un groupe avec des jeunes, avec un peu plus d'expérience par certains joueurs comme Benoît Gillet, habitué du club, et remonter à la troisième place. Euh, bon, malheureusement, le parcours en playoff s'est vécu, s'est vu écourté, euh, mais euh, c'est quand même par les joueurs de, de Vichy. Mais c'est quand même une, une très, belle, très belle saison. Euh, et il montre encore qu'en fait, une équipe, ce n'est pas, pas les super teams qui dominent, c'est aussi les équipes qui savent construire euh, sur l'année. Et lui, c'est vraiment un super bon coach, Julien Maillet. Donc, euh, franchement, bravo à lui tu partirais sur un petit julien maillé et bah écoute on verra euh, le choix euh, j'ai dans l'enveloppe le résultat voilà. de euh, de cette FT Award du coach de l'année hop on ouvre ça et euh, le coach euh, de l'année 2021-2022 et cancillery bravo quand il c'est mérité, c'est mérité. Franchement, euh, pour ma part, moi j'étais parti aussi sur ce choix complètement mérité avec cette équipe de Limoges qui, euh, que tout le monde mettait euh, presque à jouer le maintien, on peut le dire hein, clairement, euh, et qui là qui se retrouve euh, dans le top euh, de, de la ligue. Max, il nous dit mérité. Euh, donc, euh, j'avais dit que ça avait fait débat parce que justement Vincent Collet a été nommé coach de l'année et tout le monde voulait, tout le monde croyait. Que c'était Cancelleri euh, qui a quand même fait un énorme travail avec cette équipe de Limoges. Euh, on ne l'attendait pas du tout euh, dans le top. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, euh, Yannis, content de ce résultat Surtout qu'en fait, Cancelleri il était un peu, il est un peu sorti nulle part. Il fait une très bonne saison en deuxième division à l'étude italienne. Euh, mais euh, quand même, faire le pas de la deuxième division italienne à la bête Elite. C'était un pari assez osé parce que ces deux championnats où ça joue déjà différemment, ça propose un basket différent. Puis il coach une, une équipe de deuxième division. Et en fait, ce coach, il a vraiment un charisme assez important. Il a su euh, trouver son roster imposé. Euh, il a fait monter en puissance des joueurs comme euh, Harper, comme euh, j'ai perdu son nom. C'est horrible parce que Cassini Brescia, là, pas longtemps. Oh, le euh... Massimberg. Ça. Euh, et il t'as vu je Regarde, je retrouve. Et puis euh, finalement, il prolonge. Il, il, il prolonge l'aventure euh, alors que ce n'était pas gagné. Donc, ça montre aussi qu'il a un certain attachement et que, en fait, c'est voilà, un coach qui est, qui est beaucoup passionné par, par le ballon orange, ça se sent. Et en tout cas, il, il a une voix, il porte un groupe. Et euh, ce n'est pas pour rien que Limoges a retrouvé la Coupe d'Europe cette saison. Félicitations à lui parce que pour moi, le, la mission Playoff est accomplie, la mission Coupe d'Europe est accomplie. Et redonner un, un espoir à Beaublanc de, de haut de classement, elle est accomplie aussi. C'est ça. Donc voilà, donc euh, coach de l'année 2021-2022 pour euh, les FT Awards. On va faire une petite pause pour euh, l'instant du côté des résultats. Où est-ce qu'on en est, Yanis, sur le match des u 17 ça, ça débute à 18h30, il me semble. Ah, excuse-moi, excuse-moi, j'ai cru, cru que c'était 18h. Eh. Attends, je vais, dire, je vais te dire si ça a débuté ou pas. Hop, oh, oh. petit heures pendant ce temps là je vais avoir le temps de regarder ok ok pas de euh... soucis donc justement petite pause on va euh, rester euh, bien avec nous parce que Attends, je, je coupe c'est bien 18 c'est bien 18h30 le début du match et max il nous dit panda et dadier qui ne joueront pas donc aura euh... max dadier jouera je viens d'avoir l'info euh, de, de gabriel Pontet, euh, il me semble que c'est gabriel qui est sur place enfin il y a un journaliste qui est sur place et qui a mis l'info que pas comme dadier jouait D'accord, bon voilà, donc Daddy joue. Et euh, on va faire une petite pause dans, ces, dans cette cérémonie. Euh, on va passer à la première annonce euh, de ce live. J'espère euh, que vous êtes prêts à la regarder sur YouTube aussi également. Donc euh, je la mets. Et... Ça va être un truc assez dingue, je vous l'annonce. <laughs> et on se retrouve après pour en parler. Euh, C'est parti. Euh, petit trailer info je remplace Panda. Let's go, Mathéo, je suis sûr que tu vas tout déchirer. Euh, donc c'est parti pour le trailer, la première annonce de ce live. Let's go. Donc voilà la première annonce de ce live avec euh, l'épisode 3 du Tour de France euh, des clubs qui va sortir, vous l'avez vu, samedi 16 juillet, donc la semaine prochaine sur euh, YouTube. Déjà le troisième épisode. Le premier épisode, si vous ne le savez pas, nous sommes allés à Blois. Avec ce cher Yanis. Franchement, on le voit, on le voit pendant la vidéo. Hein. On était là tous les deux euh, ça, en train de voir un, un petit match de Blois au moment où il galérait avant de monter. Non, C'était chouette. Et puis toi, tu es, es allé à Orléans, Aurélien, à ça. côté de Blois. Et... C'est ça, juste, puis, juste euh, le, deuxième, le deuxième épisode. On a été à Orléans, et là, ce troisième épisode euh, au BCM, Graveline Dunkerque. Euh, D'ailleurs, je remercie France ba Basket versus 2020 qui vient de nous rejoindre et qui vient de se faire la chaîne. Merci beaucoup. Euh, salut à toi, installe-toi pour euh, cette euh, FT Awards. Tu viens de louper euh, trois euh, récompenses. Donc, MVP, on va voir si tu as bien suivi à Nice. MVP et Betlik Cummings, MVP Pro Gombo. Et euh, le coach de l'année, Timo canceleri Voilà, effectivement, voilà, on a fait. On a fait, je suis au top, je suis au top. On a fait ces trois, euh, ces trois récompenses pour l'instant. Et cette annonce euh, du Tour de France au BCM qui va sortir du coup samedi 16 euh, sur YouTube. Donc, on aura eu trois épisodes pour cette euh, première saison. Donc, ça va revenir normalement l'année prochaine, début de saison, je l'espère. Pour euh, d'autres clubs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires sur YouTube si vous avez des clubs en tête, même sur Twitch si vous avez des clubs que vous voulez euh, qu'on aille ou euh, autres. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Euh, ça, on, on prend toujours. Yannick, j'ai vu que tu as voulu parler euh, avant que. Je, je voulais préciser aux gens qui sont sur live euh, et qui suivront. On va vous informer tout au long du live, bien sûr, du match France-Slovénie. On est en dans le championnat du monde du 17 est précisé que Noah Penda ne jouera pas et que Paco comme Dadi, et mais il est en tenue, pas comme daddy est en tenue et devrait jouer. Euh, enfin, si le match euh, tourne un peu, euh, euh, on va dire un peu, euh, c'est un peu plus tendu quoi. On s'informera de ça tout ça et en plus je vous ai dit encore une fois pour tenir le watch time, il y a une petite annonce sur ces, est ça, sur ces bien, U17 euh, France euh, en train de. Restez bien jusqu'à la fin du live et si vous êtes sur YouTube en rediff, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on a euh, plein de choses à vous dire. Même une autre annonce Yanis pour cet été. Encore mieux, on peut teaser là. Là, là. Une annonce pour cet été, une annonce euh, pour les U17 et un petit concours, enfin. Donc euh, franchement, là, il y a la totale pour rester... Ah, on, euh... on vous a préparé un truc, à, à, on vous a concocté un truc parfait. On vous a franchement resté bien jusque la fin. Euh, donc là, Yannis, on va continuer ce petit, euh, ces petits récompenses avec maintenant euh, le défenseur de l'année 2021-2022 euh, avec ses Trois petits euh, bonhommes, bien sûr, trois euh, grands euh, joueurs de cette année avec Charles-Noé Abouo de l'ESSM Le, le Portel, Amadien euh, de de euh, Paula Cortez, pour l'instant <laughs> toujours en Betclic, n'est-ce pas Yanis On saura le 11 juillet s'ils sont vraiment en Betclic Elite. Ça s'annonce très compliqué. On, je pense qu'il faut dédier carrément une vidéo à ça, mais euh, on, on verra ça on parce que c'est très, très long comme pourquoi cas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas, pas Yanis, on va se retrouver sur ce cas. Et Chris Horton euh, de Nanterre. Donc voilà, donc les trois prétendants pour euh, le titre de défenseur de l'année 2021-2022 pour les FT Awards. Petite vidéo pour vous présenter euh, les euh, trois défenseurs. Et on se retrouve juste après. les trois euh, prétendants au titre euh, du FT Award euh, du défenseur de l'année 2021-2022. Et euh, donc voilà, on va passer directement aux résultats. Mais pour euh, les derniers résultats, c'est pas moi qui va vous l'annoncer. On va le voir tout de suite en live. C'est parti. Résultat pour euh, le défenseur 2021-2022. Tout de suite devant vos yeux. Salut, salut, c'est Noé Charlabo, joueur de l'USSM. Salut, c'est Noé Charlabo, joueur de l'USSM. Je voulais remercier à tout le monde qui a voté pour les FT Awards et franchement merci pour les votes et merci aussi à French Talk. C'est un honneur je suis très reconnaissant. Je le dis franchement bravo ah là c'est bon yannis parle est-ce qu'on est ce qu'on qu m'entend plus de son Ah, c'est bon non c'est parce que en fait j'avais coupé le son de moi et de toi euh, comme tu parlais pas, il n'y avait pas de son. Donc, euh, bon, si les gens nous entendent là, c'est bien. Tu as tout fait, Aurélien. C'est bon, es... c'est bon. bon, bon. J'avais juste coupé nos sons pour la vidéo. Donc, comme j'ai dit, c'est euh, Charles Noé Abouo qui euh, remporte ce euh, FT Award du défenseur de l'année 2021-2022. Vous l'avez vu sur la petite vidéo, il vous, vous en remercie car c'est vous qui avez voté pour lui. Euh, Yanis, un petit mot sur Abouo que tu as connu à notamment. C'est clair, c'est clair. Non, c'est un, un superbe joueur. Euh, et franchement, c'est euh, le type de profil très peu valorisé parce que c'est un mec qui fait du taf de l'ombre. Euh, C'est-à-dire que ça va pas être un gars qui va mettre 15 points par match. Euh, c'est un gars qui va être plutôt dans, dans les bases défensives, très, très imposant athlétiquement, physiquement très bon sur les appuis, capable de défendre sur le poste 2, même le poste 1, je vais dire, mais le poste 1, 2, 3 et même 4 euh, avec ses épaules. Euh, donc c'est clair que ça, c'est un avantage. Et je pense que c'est un joueur qui n'était pas reconnu à sa juste valeur. Euh, jusqu'à là un peu mise en avant dans le championnat LNB et je pense que c'est une belle mise en avant que de voir ici surtout qu'il a en fait guidé clairement la défense du portel donc euh, lui et franchement c'est mérité bravo aux viewers aussi d'avoir voté pour lui parce que c'est qu'il était très peu on l'a très peu vu donc bravo d'avoir pensé à lui parce que c'est je pense que c'est c'est une belle revanche c'est ça, donc euh, comme je vous le redis, si vous venez d'arriver sur le live, ce n'est pas nous qui avons décidé euh, des, des prétendants pour euh, les différents tweets, c'est vous qui avez euh, dit euh, les différents euh, joueurs qui les ont proposés. J'ai pris les trois plus cités pour refaire un, un vote euh, dessus. Donc voilà, c'est euh, Charles Noabo qui a été élu devant Amadi et Chris Horton qui ont été également deux très très euh, grands défenseurs pour cette saison 2021-2022. Et, Aurélien, euh, Aurélien, oui, je, je te coupe, je fais un petit point pour les gens qui ne qui, qui, qui suivent pas le match de, de l'équipe de France U17. Euh, ça, ça part très très bien, 13-3 pour l'équipe de France face à la Slovénie après euh, 4 minutes de jeu. Voilà, donc, euh, donc les U17 sont très très bien partis pour aller chercher pour l'instant cette place en demi-finale. On va croiser les doigts et on va continuer à vous euh, tenir au courant. On a, de on a besoin de demi-finale. On va vous donner un petit indice quand même avant, de, avant cette fin une qualification en demi-finale, on a besoin de cette qualification en demi-finale pour cette surprise. On dit ça, comme ça c'est bon. On dit ça, on dit rien. Voilà, donc euh, ça reste ça reste à vous de réfléchir. Donc euh, on va continuer sur les les U17 sont trop chauds effectivement Max. Les U17 sont euh, très très chauds bouillants et gagnent de très très d'une la, très large score. Donc euh, on va voir si ça continue mais c'est clair euh, que euh, ça va être plaisant. Euh, French Basket versus on dit rien, je sais pas, je suis pas, je suis pas au courant. Yannis, je sais pas si t'as vu son commentaire, t'as pas, pas regardé, j'ai je... pas, pas les, les, pas les, les le commentaires t as t as Twitch sous mes yeux. Le chat, t'as pas le chat, il dit ça va commenter la demi. <laughs> on dit rien, peut-être, peut peut on, a, on a rien dit pour l'instant, <laughs> euh, mais voilà, donc on va continuer avec euh, le sixième homme euh, de cette saison 2021-2022. J'ai vu euh, Max que tu disais va Flara, j'aurais dû y être. Et ben bah écoute, il y est là, euh, Vaflarage pour ce titre de sixième homme euh, de l'année 2021-2022. Et écoutez, euh, on a donc comme euh, prétendant euh, Grégor Rovat de Pau, euh, Loubaki de Boulazac de Probé. Donc euh, très très surpris de l'avoir euh, ici, euh, quand j'ai vu son nom revenir plusieurs fois dans les votes. D'accord, très bien. Et euh, Vafessa Fofana. Euh, du BCM, Gravelin-Dunkerque. Yanis, qu'est-ce que tu penses de ces trois Eh pour... euh, ben bah, écoute, pour moi, c'est pour Fofana et pour euh, Rovat en bet-click, c'est tout totalement logique. C'est deux joueurs qui ont apporté énormément sur le banc. Dans le BCM, pour la bonne saison qu'ils font. Parce que, euh, voilà, c'est pas les playoffs offs mais c'est pas non plus le, le, le fond de classement. Donc euh, Et Fofana, il a fait vraiment une superbe saison. Euh, et après, pour euh, Rovat, bon, lui, c'est à l'image de Pau. C'est une sortie de bon monstreux, c'est euh, sans doute la, la, les meilleurs stats en sixième homme, euh, rien à dire. Et euh, pour Loubaki, pour terminer sur, ce, sur lui, le jeune euh, BBD, euh, je pense que c'est totalement mérité, parce que Boulazak qui joue le maintien, euh, a fait le pari de le laisser en meneur remplaçant, euh, en lui donnant les clés. Mm -hmm. euh, il les a saisis pleinement cette opportunité, donc c'est aussi bien de le mettre en avant, euh, les jeunes de Pro B voilà, qui prennent leurs responsabilités, comme euh, Loubaki. Bah écoutez, euh, je vous propose de découvrir également le gagnant de ce FT Awards avec directement le gagnant qui vous remercie. Donc, euh, message du gagnant. Vous allez voir euh, de qui il s'agit tout de suite. Hey everybody, hey everybody, hey everybody. This is Gregor Crowatt from Paula Cortez and I would like to thank. Donc voilà, comme vous l'avez vu ici, il s'agit de euh, Grégor Rovat qui euh, gagne ce trophée du sixième homme de l'année 2021-2022. Il vous en remercie. Si vous parlez pas l'anglais, il n'a rien dit de trop dur, je pense. Vous avez dû comprendre. Il vous remercie d'avoir voté pour lui. Euh, et puis bah il, il vous dit euh, qu'on va se retrouver euh, la saison prochaine, tout simplement. Voilà des mots très simples pour vous remercier. Yanis, tu es en bug non C'est bon, tu es avec nous. Non, non, non c'est bon, je, je, je suis. Voilà, c'est parce que tu étais stable, j'ai commencé à me dire Oh là, on a perdu Yannis, mais en fait, <laughs> c'est juste que tu, tu fais. Tu es ta... toujours là, toujours présent. Tu fais très bien la statue. Du coup, c'est Grégor Rovat qui gagne ce trophée de sixième homme euh, des FT Awards 2021-2022. Totalement mérité pour ma part. Euh, franchement, euh, il a participé euh, à déjà à gagner la Coupe de France. Déjà, on peut le dire. Donc euh, on peut le rappeler que Po a gagné la Coupe de France quand même. Donc euh, c'est très euh, bien mérité pour ce joueur. On verra où est-ce qu'on le retrouve la saison prochaine. Il me semble qu'on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. On sait pas encore non, c'est vrai que. Euh, Je pense qu'on attend. Il va attendre comme tout le monde la décision euh, de, du 11 juillet. Puis après on verra bien. Ça, effectivement. Donc félicitations quand même à loubaki et Fofana pour leur nomination. Et grand bravo à Rovat pour. Être euh, ce sixième homme 2021-2022. On va passer malheureusement déjà au dernier euh, FT Awards euh, de cette journée. Et il s'agit euh, du rookie de cette saison euh, 2021 -20... oh J'y ai pensé, j'ai même pas montré la petite vidéo. J'ai même pas montré la petite vidéo prétendant. Euh... Bon, c'est pas très grave. Bon, euh... Très grave, vous, vous loupez rien. C'est êtes... voilà. ça, on voyait quelques actions. Euh... Bah écoutez, je vous la mets. Comme ça au moins, euh, vous voyez les actions de euh, Rovat. Et euh, je vous euh, laisse sur ça. A tout de suite pour euh, le rookie. 7, 5. Et nous sommes euh, de retour après cette petite vidéo, j'ai voulu vous la montrer quand même, euh, du travail qu'on a fait. Euh, donc vous avez dû l'entendre je pense, combien ça fait euh, Yanis là, les U17 euh, L'équipe de France qui mène 17 à 5, donc qui déroule défensivement, puis offensivement, il y a un contre là à l'instant même, qui, sera, qui se terminera finalement en faute. Mais donc euh, il reste 3 minutes, pour l'instant ça déroule, et euh, tranquillement. 17 tout roule et comme je vous l'ai dit on va passer au dernier ft awards euh, de cette vidéo de ce live euh, pour cette saison 2021-2022 c'est le rookie et, et attends, et attend la news quand même je l'annonce à nos spectateurs quand même qui dit que pas comme daddy est absent pas comme daddy vient d'entrer en, sur le terrain Il sera bien présent avec un beau bandage à la main mais il sera présent donc voilà donc euh... Yannis, notre, notre reporter sur le terrain. J'ai l'oreillette <laughs> Donc pour euh, ce titre de rookie 2021-2022, nous avons Ismaël Kamagate qui a été drafté, euh, notre français euh, du Paris Basketball, Nadirifi et euh, notre joueur euh, de Pro qui a signé en euh, Betlif cette année avec du côté de Nancy, Clément Frisch. Euh, Dites-nous dans les commentaires et euh, sur Twitch. Quel est votre petit préféré pour ce titre de rookie 2021-2022 Yanis, dis-nous le tien. Qui votes-tu pour euh, Mon préféré, euh, je vais dire... Euh, Victor non, je rigole. Ismaël Kamagaté. Ismaël Kamagaté parce qu'il fait une très belle saison et que surtout, c'est un joueur qui était bon en Probé, qui a fait une bonne saison en Probé euh, et qui a fait très très bien le pass Probé bed Elite. Et qui a même gonflé ses stats en clic. Donc ça c'est rare. Et euh, non franchement, il s'est bien développé physiquement. Il commence à acquérir du shoot. Dominant près du cercle, on l'a vu péter des gros dunks euh, sur la tête de, de ses adversaires. Il a peur de rien. Il a faim. Et pour un joueur qui n'était pas censé forcément être drafté, il a réussi à avoir une position à la draft. Donc euh, c'est mérité. Et pour moi, ça serait Ismaël Kamagaté. Très Clément Frich a fait quand même une belle saison aussi. Et Nazirifi aussi. Bah écoutez, je vais vous les présenter. Euh, C'est la présentation des différents rookies. Et on se retrouve juste après pour le résultat. Let's go. salut à tous c'est jefi alors je... salut à tous alors je tenais à remercier toutes les personnes salut à tous alors je tenais à remercier toutes les personnes donc voilà Et il me semble qu'on m'a pas entendu juste avant donc j'ai tout simplement dit euh, on va voir la réaction du gagnant euh, donc, euh, rien d'alarmant de... rien euh, donc voilà, comme vous l'avez vu, il s'agit de Nadir Ifi, qui remporte euh, ce FT Awards du Rookie de l'année 2021-2022. Félicitations à lui, on peut l'applaudir. Yanis, voilà, bravo à oh, Félicitations Nadir, voilà. très très bon. Voilà, très très euh, bonne saison euh, du jeune euh, de l'ESSM. Euh, contrairement euh, du côté de la LNB, c'est... Euh... Petit problème de store, euh, Yanis. <laughs> Alors, attends j'ai le soleil, je sais pas si. Ouais, ça doit être ça. Attends, je vais <laughs> fermer mon store, j'arrive. T'inquiète, t'inquiète. Mais du coup, euh, je disais, contrairement. Voilà. Je disais que euh, celui de la LNB, c'était Wen Banyama qui a remporté euh, le titre de Banyama, c'est ça. Donc, euh, de notre côté, c'est euh, Nadirifi. Donc, félicitations à lui euh, pour ce titre. Euh, je pense que c'est également mérité parce qu'il a quand même euh, aidé le porter, à se maintenir. Et euh, il a quand même fait une très très bonne saison. Euh, du côté du porté donc euh, félicitations à lui. Et puis voilà, écoutez, euh, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si euh, tous ces gagnants euh, vous en êtes d'accord. Vous savez, justement peut-être pas d'accord et vous êtes très très énervé. Peut-être c'est possible, bah dites-nous -le dans les commentaires. <laughs> euh, mais <laughs> j'espère euh, que ces FT vous a plu. Merci à ceux qui nous ont fait leur petite vidéo, donc Rovat, euh, Ifi. Et euh, à bout, donc merci à eux d'avoir euh, accepté de vous remercier. Euh, je mettrai les petites vidéos, je pense, sur les réseaux d'une fois que le live sera, sera coupé. Je vais annoncer les gagnants sur les réseaux. Et bah écoutez, je pense qu'on peut euh, passer directement à notre deuxième annonce, Yanis. Je sais pas ce que t'en penses. Ferme fait un petit point quand même pour le, pour le match des U17. La Slovénie est de retour. 20 à 14, toujours une avance de 6 points, mais euh, la Slovénie, is back in the game et il reste une minute à jouer dans le premier carton. Oh la vache, oh putain. Oh, je suis désolé, j'ai réagi en direct. Oh la vache! Il y a dû y avoir un truc de fou. 22-14, du coup. Voilà, vous l'avez en direct celle-là. Si ils encore plus le match, regarde, t'as vu, je suis fort Aurélien, je suis fort. C'est ça, c'est ça. Euh, si vous aimez, vous ne savez pas où est-ce que ça se situe, c'est sur le YouTube de la FIBA, hein, tout simplement. Euh, oui. Pour aller voir les matchs. Voilà. Bientôt, je un autre média. <laughs> j'ai rien dit, j'ai rien dit, on va pas me. A rien dit rien dit de particulier mais c'est la deuxième annonce euh, de ce live euh, vous êtes resté jusqu'à la fin donc là c'est euh, l'annonce pour cet été et avec anis euh, on a une petite chose à vous dire c'est qu'on va faire une preview euh, de chaque club pour cette saison 2022 2023 euh, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes content dans les commentaires euh, en live dites le nous donc euh, on va comment comment je peux dire ça regarder euh examiner chaque club euh, sous petit forme pronostic euh, aussi hein, le sur la, le classement ça, tout ça. exactement Donc euh, on verra ce que ça donne, vous pouvez le voir il euh, y a euh, l'élan Bernet le logo de l'élan Bernet euh, donc euh, je l'ai mis parce que pour l'instant ils sont toujours là mais il est possible que euh, il me semble que c'est ah bah écoute euh, ce euh, serait Orléans et Rouen ah c'est ça. Orléans euh, qui remonte en Betlic et Rouen qui remonte en probé. Donc, Léon Bernet, on verra. Et écoute, euh, Bastien, euh, tu sais, tu es, dans les... tu es dans les temps parce que tu viens de follow la chaîne direct et tu mets la réponse en direct quand on parle de ça. Et Léon au premier plan, mais bon, c'est pas sûr qu'il soit là. Écoute, tu es dans le timing. Parfait. On était exactement en train de le dire. Donc, euh... donc voilà. Léon Bernet qu'on ne, on ne sait pas du tout où est-ce que, est que ça sera la saison prochaine. Mais là, euh, L'annonce euh, Liam Gaming qui nous suit exactement. Euh, tout le monde arrive en fin de live, c'est incroyable. Euh, merci à vous d'être euh, D'être là. Je, je, je peux juste dire un petit mot quand même sur ces oui, previews. Oui, vas-y. Juste Aurélien, je te coupe parce que moi, c'est un truc qui me hype beaucoup. Je vous avoue que je l'ai quand même un peu demandé à Aurélien. Je lui ai fait Ouais, on peut faire des previews parce que c'est un truc qui me, on se fait kiffer les gens. Parce, de décrire leur effectif, d'analyser tout ça et de voir un petit peu potentiellement euh, où ils se classent. Donc avec vous. Euh, et ce qu'on voudrait faire ce serait un format où on ne ferait pas forcément un club par émission parce que sinon vous imaginez bien que ça va faire 18 émissions donc on va faire euh, plusieurs clubs par live, probé, bête, clic, on verra, on n'a pas réfléchi au, au format mais si ça vous hype euh, vous, on a, vous avez intérêt à être présent parce que on, on prépare un petit truc et nous en tout cas ça, ça, ça nous fait kiffer c'est ça exactement donc euh, restez bien connectés pour les previews qui vont arriver je pense euh, mi-août on va attendre un peu quand même que les effectifs sont euh... Sont bouclés. Quelques effectifs en Battle sont bouclés, comme le Bourg, Nanterre, il me semble. Mais bon, on va attendre que tout soit. Au Bourg, Nanterre, c'est pas fini hein, encore, hein, ah ouais il me semble. T'es sûr Quoique, okay, je sais pas, j'ai pas regardé. Peut-être que ouais, Van Wyn a peut-être clôturé le coup. Peut-être que t'as raison. Ouais, bah je, je, je sais Non, pas non, t'aurais peut-être raison. Euh, voilà, donc, euh, deuxième annonce 2-7. Euh, de cette... Euh, vidéo on va faire la preview sur YouTube euh, je pense ou en live on sait pas encore entre, encore mais euh, restez connectés sur les réseaux French Talk sur euh, Instagram Twitter euh, donc voilà venez nous suivre si vous ne suivez pas encore et je confirme je regarde le, le chat euh, je regarde le chat et c'est bien euh, Rouen qui euh, monte contrairement euh, par haut au ranking. Ouais, C'est une question de ranking. Tours est, est, a fini le mieux classé, mais au niveau du ranking, Rouen a été classé plus haut les années précédentes, donc ils ont un meilleur ranking euh, au total. Exactement. Rouen était plus longtemps en B, contrairement à Tours, etc. Donc ça rentre euh, ça rentre en jeu. Et Et C'est pareil, pareil pour Orléans qui a fait les playoffs l'année dernière qui du coup bah forcément est plus classé au plus haut classé au ranking. C'est ça, exactement. Et Bastien qui me dit vous allez pas faire la preview de l'Élan Bernay avec leurs deux joueurs. Bah écoute, je pense que d'ici là on aura le ça sera fixé. Donc euh... je l'espère en tout cas parce que j'espère que ça va pas durer dans le temps cette cette affaire de, de l'Élan. <laughs> euh, mais t'inquiète pas. On le, le Ouais, T'inquiète pas Bastien, ça je pense que d'ici ce temps là on aura on aura tout tout de fait même avec Yanis, en plein live on s'est dit euh... On s'est dit, bah écoute, pourquoi pas faire une vidéo dédiée à les lambernais en suivant le, suivant le, le résultat ont conclut. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Dites-nous dans les commentaires sur YouTube si vous êtes hype par cette série qui va arriver cet été. Et Yanis, euh, je sais pas trop comment finir cette, ce, ce live, cette vidéo. Euh, on, avait pas on, va, on va lancer rapport, la on avait pas news. Truc, on n'avait pas un truc en rapport avec les 17 En train de regarder, la France met 26 à 14 sur contre la Slovénie. Messieurs, dames, qui sont là, retenez bien cette date, parce que la France devrait jouer demain s'il se qualifie en demi-finale, bien sûr, dans, dans la perspective du match. French Talk a décidé, en cas de qualification en demi-finale et de potentiel final par la suite, de médiatiser cette Coupe du Monde du 17 et de vous diffuser match en clair, clair, j'ai bien dit avec les images, mais commenté en français avec commentaires en français, donc sans doute assitré au poste de commentateur avec <laughs> compatriotes, commenter en français avec des avant-matchs, bien évidemment, des petits trucs prévus comme ça pour vous pr présenter tout ça. Évitez d'avoir les commentaires en anglais de la FIBA, qu'on respecte énormément. Mais Et donc, si ça s'avouerait... La hype, France, ici. La France, on veut des commentaires français. Veut... J'ai un petit cadeau, en hein. plus. Oh là, attention, qu'est-ce qu'il va nous Oh là 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 là, là. mais ça, c'est magnifique. Ouais, hein, quand ça. Même. Donc ouais. voilà, si vous voulez voir l'équipe de France, une 17 en demi-finale, demain... Être très très chaud parce que c'est un superbe tournoi. Perso, je le suis depuis le début et euh, franchement, il y a des très très belles choses. Donc, on est nos français se, se qualifient pour l'instant. Ils mettent 28 à 14 contre la Slovénie. Ça déroule euh... Euh... et euh, franchement, il y a une très belle équipe de France qui est sans doute euh, une des meilleures de ce mondial. Donc, euh, hâte de voir ça, hâte de voir où ils vont. Et en tout cas, nous, c'est un plaisir pour nous de pouvoir vous commenter ça. Donc, restez connectés. Demain, il y aura plein de choses qui vont tomber. Et je précise d'ailleurs que. Au moment où vous le faites, je, 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 je t'ai un peu coupé la parole de leader Aurélien de, de dirigeant d'émission. Mais euh, du coup, euh, ouais, c est, c est, on remercie aussi Best of Espoir qui nous partageait tout ça et sur Instagram, allez le suivre parce que lui, il fait toute l'actualité des jeunes. Best Elite, Espoir, euh, Best Elite, Espoir à Pro B. Suivre effectivement euh, à Best of Espoir sur Instagram et Twitter, donc euh, il, il relaie toutes les informations par rapport aux jeunes, c'est super intéressant. Donc, euh, allez, lui qui va ça. être aussi du coup, à l'origine de ce projet là et qui va nous permettre, euh, fusion. on le verra peut-être passer dans un, de ces, un des lives, peut-être pour commenter, peut-être pour euh, venir dire son petit mot. Mais en tout cas, un merci parce qu'il va relayer tout ça. Donc, un merci à lui. On, maintenant, la dernière condition, elle est bien évidemment ce match France-Noveni qu'on va suivre attentivement. Exactement. Donc, voilà, donc, on a fait euh, toutes nos annonces. Et eh ben, écoutez, je crois qu'il y a encore une petite chose, Yannis, que je devais dire. Ça se termine jamais, ça se termine jamais, Aurélien ouais. <laughs> Effectivement, euh, si vous avez vu, si vous nous suivez sur les réseaux, euh, il y a eu un concours par rapport aux playoffs entre Lasveel et Monaco pour gagner une coque de notre partenaire euh, Sportcase. Et ben bah, écoutez, euh, le gagnant va bientôt recevoir sa coque. Et euh, pour l'eau de consolation, French Talk et Sportcase ont décidé de refaire un concours, mais cette fois-ci ne pas mettre le premier concours, il fallait désigner le gagnant. Donc seulement ceux qui, on avait, qui avaient dit Asvel champion de France ont pu participer à ce concours. Mais là, écoute, ça sera open bar. On peut dire que c'est un lot de consolation. Il, like. il suffira juste de mettre un like et d'être abonné à French Talk pour participer à ce concours. Ça va arriver dans quelques heures, je pense. Je vais le mettre ce soir sur, sur les réseaux. Et, et puis, autant vous dire que franchement, pour ceux qui kiffent le basket, les coques sont kiffantes quand même. Allez faire un petit tour sur leur site, tout ça. Euh, parce que franchement, ils ont du bon merch, du, du bon truc pour vous équiper. Et si vous voulez représenter votre club de l'NB, BCM, Orléans, tout ça, tous les clubs de l'NB, ils sont avec sur des coques. Et il y a même d'autres choses, il hein. y a du foot, il y a plein de trucs. Et Yanis, on peut le dire quand ouais, même code promo FanStalk, moins 10%. Exactement. Et en plus, on a un code promo pour vous. Donc, euh, donc voilà, donc code promo French Talk, si vous voulez euh, une coque euh, chez notre partenaire Sportcase. Vous pouvez retrouver sur euh, nos réseaux, si Youtube, euh, Youtube, pardon. Instagram et Twitter. Euh, donc voilà, donc, je pense qu'on a fait toutes les annonces, Yanis. Donc on récapitulise. On récapitule. Ça y est, c'est la Capitule. fin. Live. Ça fait une heure qu'on est en live. Ça Je bois <laughs> son petit coup d'eau. <laughs> ça fait une heure qu'on est en live, Yanis. Ça y est, ça commence à... la langue commence à fourcher. Si on redit. Euh, rediffusion sur YouTube de ces FT Awards, je pense sûrement ce soir direct. Je pense que je vais l'uploader direct comme ça. La rediffusion est trop chaud, regarde, Trop chaud sera directement sur YouTube. La vidéo du Tour de France des clubs au BCM Gravine Dunkerque sort samedi prochain, samedi 16. Donc, le Tour de France des clubs, je sais que vous aimez. Ça fait quand même euh, beaucoup de, de vues et vous interagissez beaucoup avec ce genre de vidéo, donc euh, merci beaucoup parce que c'est grâce à vous qu'on qu on peut faire des vidéos comme ça quand même et demi-finale 17, demain demi-finale 17, demain, on l'espère, on le souhaite pour l'instant il y a toujours plus 10 pour la France, mais on le souhaite parce que c'est vraiment aussi un truc qui nous fait kiffer de commenter vous... pour ceux qui nous suivent, bon, je parle encore, mais pour ceux qui nous suivent, euh, on avait commenté le N star Game euh, en début de saison et ça avait pas mal plu, donc là on va, essayer. On, va, va on, va essayer. on va essayer de revoir des matchs amicaux cet été, euh, des clubs euh, de, de bet League, voire même de Pro B, on va, on va essayer de faire le maximum pour vous. Et puis bah, pour finir, le concours qu euh, qui va être là, mis euh, directement sur les réseaux pour regagner une coque de notre sponsor Sportcase. Euh, donc là il faudra simplement mettre un GM un RT ou, ou quoi donc euh, rien de, de prévu donc euh, j'espère vous revoir sur les réseaux j'espère que cette vidéo et ce petit live vous a plu Yanis, ça a été une petite heure franchement c'est pas, passé très vite on a bien un, plaisir un plaisir d'être de, de, là de, de revoir tout le monde, d'interagir avec tout le monde, la communauté grandit de plus en plus donc voilà, restez là Exactement. vous allez être bien, on vous prépare encore une grosse, un gros été, une grosse saison puis merci d'être là à toi, Yanis, d'avoir été là avec nous. Merci à ceux qui ont été live. Merci, Bastien, France Basket Versus, Matteo, Max, Enzo. Voilà, tout, tout le monde. Merci beaucoup à vous. Euh, merci également à ceux qui vont regarder sur YouTube la rediffusion. Merci beaucoup. Et on se retrouve très prochainement, si vous l'avez compris, avec euh, en live les U17 et euh, dès la semaine prochaine pour le Tour de France des clubs euh, au BCM. Et puis, bah, on se retrouve sur le réseau YouTube, Instagram, French Talk. Voilà, abonnez-vous à Twitch, YouTube. N'oubliez pas, là, je vais faire une petite interlude de YouTube. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu, euh, de liker, de partager et euh, de commenter. Donc, merci à vous tous. On vous remercie. C'est grâce à vous euh, qui vous... vous nous donnez la force de faire. Euh... Si vous n'étiez pas là, on ne ferait pas tout ça. Donc, euh, merci à vous d'être là et de nous encourager, de vos messages. Beaucoup de messages en ce moment sur les sur les réseaux qui font. Qui font plaisir donc euh, merci à vous merci bastien et on se retrouve très vite sur french talk euh, salut tout le monde passez une bonne fin euh, de journée et on se retrouve très vite allez salut tout le monde